Gilles-Jean Portejoie, un des avocats les plus célèbres de la place de Paris. Ses clients, des comédiens, des chanteurs, des hommes politiques, mais aussi, et il le revendique, des citoyens anonymes. On ne peut plus vous parler. Sa résidence parisienne, ce palace, proche de l'Étoile. Comment allez-vous ? Ça va en forme ? On y va. Une suite lui est réservée toute l'année. Maître, qu'est-ce qu'on fait ici ? Je vis ici. Je vis ici quand je suis à Paris. Je vis... Ma vie, c'est un peu une vie d'hôtel en hôtel, une vie de saltimbanque. Tout est facile quand on arrive, quand on part. Vous savez, les départs peuvent être rapides, les arrivées tardives. Autant vivre à l'hôtel. Et puis j'adore vivre à l'hôtel. Un palace qui lui sert également de bureau. Ce matin, rendez-vous avec Éric Vigne, le mari de Lolo Ferrari, et le producteur de cinéma Dominique Besnéard. Il est incroyable cet hôtel. Hein. Oh, c'est... Mais vous êtes à demeure ici? Je vis là. Il me donne dès qu'elle est libre la chambre de Gainsbourg. Voilà. Ah, ouais. Vivez là. Il est mort là, je crois. Ouais. Les, hein. On confie là-bas. Dominique Besnéard veut faire un film sur la vie de Lolo Ferrari. Éric Vigne a choisi Maître Portejoie pour défendre ses intérêts. Je suis l'avocat d'Éric Vigne, qui est détenteur des droits de son épouse. Les droits de Lolo, c'est toi qui les détiens, incontestablement, en vertu d'un testament. Le nom de Lolo Ferrari m'appartient. Le nom de Lolo et les droits afférents à l'image de Lolo, c'est toi. Hein. Donc, parce que le contrat que nous allons passer, et qui sera le moteur du film, en quelque sorte, ce contrat, c'est toi qui dois le signer, et toi seul. Mon rôle, c'est, un, te défendre les intérêts d'Éric Vigne face à un producteur, et son conseil, qui ont également des intérêts à faire valoir, voilà. Pour qu'il n'y ait pas de difficultés. Voilà. Il faudra bien qu'à un moment donné, Dominique, nous parlions gros sous, protection des droits, qu'est-ce que ça va coûter, et quelle sera la rémunération d'Éric Vigne, en contrepartie des droits qu'il va céder. Tout ça, ça se discute. Ça se discute autour d'une table, entre deux avocats et en présence de leurs conseils. J'ai envie que vous soyez avec nous parce que vous êtes le plus grand témoin. Peut-être qu'on va avoir des problèmes avec la famille de Ferrari. Hein. Donc, est-ce que ça, à ce moment-là, il ne faut pas essayer de se mettre autour d'une table ou, ben, c'est si que, on n'y arrive pas, voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire. Cinéma, star, dorure, Maître Portejoie aime ça et ne s'en cache pas. Quel avocat qui fait le tour de France, plaide des dossiers plutôt compliqués, plutôt médiatiques. Comment peut-il ne pas aimer les paillettes? Il faut assumer. Maître Portejoie ne quitte pas les beaux quartiers, direction le restaurant de Johnny Hallyday, près des Champs-Élysées. Comme ça. Le chanteur est un de ses clients. Oh, bonjour. Comment ça va? Et toi, tout va bien? Quel bonheur d'être là. J'ai connu Johnny de manière assez surprenante. Coup de fil de Johnny, qui avait mon portable et qui me dit, voilà, vous êtes bien Portejoie, oui. J'ai un souci, j'aimerais bien vous rencontrer. On s'est retrouvé à Saint-Étienne. Il m'a dit, mais votre gueule me... J'aime bien votre nom d'abord. J'aime bien votre nom. Vous avez une bonne gueule. Vous êtes mon avocat. Et depuis, on ne s'est jamais quitté. Johnny a rencontré des moments difficiles à la suite d'accusations qui étaient portées contre lui, d'accusations sévères qui étaient portées contre lui. C'était en 2001. Une jeune femme travaillait comme hôtesse d'accueil sur le yacht de Johnny. Elle accuse le chanteur de l'avoir violée. Johnny s'est défendu comme un justiciable normal, comme un autre. C'était un peu le conseil de fond que je lui avais donné. Tu es un justiciable comme un autre. On porte des accusations contre toi, il faut te défendre comme tout un chacun. Et en se comportant de cette façon, on a évacué toutes les accusations et il a bénéficié d'un non-lieu. Après les palaces, la limousine avec chauffeur. Mais pour Maître Portejoie, les stars sont des clients comme les autres. Plaider pour un homme célèbre, politique, journaliste, people, plaider pour un citoyen lambda, c'est la même chose. La préparation du dossier est absolument la même. Ce qui est un peu différent, c'est la relation qu'on entretient avec le client. Mais Gilles-Jean Portejoie ne travaille pas uniquement à Paris. Sa ville natale, Clermont-Ferrand, c'est là qu'il a son cabinet et sa famille. Et le client qu'il défend ce matin n'est pas un people.
C'est le responsable d'une association de victimes. Il y a 3 ans, 12 pèlerins français avaient trouvé la mort dans l'effondrement de leur hôtel à La Mecque. Nous avons aujourd'hui, à la suite de cette catastrophe, déposé plainte. L'intérêt de notre plainte pénale, c'est de savoir, c'est de dégager des responsabilités pénales éventuelles et de faire sanctionner les coupables. Mais en même temps, à côté de cette procédure pénale, nous avons une procédure civile contre l'agence que vous avez payée pour la plupart en black. Ouais. Compte tenu de ce qu'elle vous a fait payer, elle devait vous loger dans un hôtel décent. L'hôtel s'est écroulé. Et puis, faire comprendre aux autorités saoudiennes que ce n'est pas acceptable, que le pèlerinage doit être sécurisé et que mourir à La Mecque, président, mourir à La Mecque n'est pas une fatalité. Merci d'être venu, hein, vous. Hein. 30 dossiers chaque année aux assises, 15 heures de travail par jour, 100 000 km par an. Maître Portejoie est un stakhanoviste du barreau. Mais son travail, c'est toute sa vie. Depuis que je suis gamin, j'avais décidé d'être avocat. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que ma famille n'est pas une famille de juristes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. C'était avocat et plutôt avocat pénaliste. Donc je réalise aujourd'hui mon rêve. Retour vers Paris. La vie de Maître Portejoie est une course folle. Une course qu'il cache à ses clients. Vous passez un petit coup de fil à Michel Charras pour lui dire qu'on aura 10 minutes de retard. Hein. Allez, on court sans arrêt. Il ne faut surtout pas donner le sentiment aux clients que le temps est compté. Il faut, quand vous avez quelqu'un qui vous expose ses problèmes, lui donner le sentiment qu'on a l'éternité pour lui, qu'on a du temps. Cette fois, c'est au Sénat qu'il a rendez-vous pour une affaire de harcèlement moral. Bonjour, maître. Vous allez bien ? Oui, monsieur Charras est là-bas, il arrive. D'accord. Et toi ? Michel Charras reçoit tous les jours depuis 30 ans un coup de téléphone d'insulte d'une de ses voisines. Il a porté plainte, le jugement vient d'être rendu. La voisine a été condamnée à 300 euros d'amende, une sanction trop légère à leurs yeux. Cette décision est quand même, de toi à moi, elle est quand même très très... Non mais, on se demande si le tribunal regarde le dossier, quoi. Le problème, c'était de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette femme. Compte tenu de son passé, compte tenu de sa dangerosité, Elle a quand même un palmarès. Hein. Bah, j'avais surtout un rapport d'expertise qui montre que cette femme est potentiellement dangereuse. La solution, c'était quand même peine de prison assortie du sursis, avec mise à l'épreuve et obligation de se soigner pour qu'elle ne nous emmerde plus. Michel Charras a décidé de faire appel. Allez, Bilou, à bientôt. À bientôt. Salut. Merci de tout. Depuis 25 ans, Gilles-Jean Portejoie s'est forgé une solide réputation parmi la classe politique. Mais la course folle continue. T'as passé un petit coup de fil pour déconner un peu de retard, Bernard ? Retour à Clermont-Ferrand. Demain, fini les paillettes. Il défend un boulanger dans une affaire d'escroquerie aux assédés.